Mardi 12 septembre 2006. Un riche couple de sexagénaires est à son domicile. Alerté par les aboiements anormaux de ses chiens, l'époux sort pour voir ce qu'il se passe. Il est violemment frappé puis jeté au sol. Son épouse, ayant entendu ses hurlements de douleur, tente de lui porter secours, armée d'un fusil de chasse qu'elle n'a pas eu le temps de charger. Elle est jetée à terre et rouée de coups. Le couple est ensuite embarqué dans une fourgonnette en direction d'une maison isolée, au milieu de nulle part. Il y sera séquestré 3 jours, 3 jours de calvaire où les deux époux ont vécu chaque minute comme si elle était la dernière. Les malfrats ont demandé plusieurs millions d'euros contre leur liberté, en menaçant l'époux de couper un doigt de son épouse toutes les 10 minutes. Ils ont également menacé de s'en prendre à leurs petits-enfants. Aujourd'hui, nous explorons la maison en question. Il y a des bouteilles de partout. Pas des éponges. Elle a été massacrée la maison quand même. Ouais. Il y avait des traces de vie, mais c'était malheureusement saccagé par des sagouins, enfin, par des gros connards en fait. Tous les bouquins de l'époque. Ah, c'est la cuisine. Ah, du frigo. Encore une vieille passoire en faux. Ah ouais, alors je sais pas ce que c'est, j'ai déjà vu ce symbole dans un bunker, je sais pas ce que ça représente, mais si vous savez ce que c'est les amis, là, ce symbole, ça serait cool si vous pouvez me le dire dans les commentaires, que j'en sache un peu plus. Oh, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais j'ai pas envie d'ouvrir le bocal. Ah ouais. Ah les gars, on peut se faire des frites effectivement. Ah oui, des bonnes frites. Oh, t'es encore tout, c'est ça. La vaisselle par terre, tous les couverts. C'était fouillé, retourné, saccagé, dégradé. Il y a un sous-sol dans la maison. Ah. On a trouvé qu'on a fait un peu beaucoup, on a fait un peu vite. On va voir ça. Ah ouais, lui des vintage lui. Il est mort. Genre la face avant. C'est vraiment numérique ça. Ah là c'est une chambre.
y a une cave, oui, effectivement. Ah, il y a encore les vestes et tout. Le bazar là, sérieux? Ça sert, ça devait servir aussi d'atelier. Vieille autoradio. Il y a pas mal de boîtes ouvertes, hein. On voit que ça a été fouillé par des pilleurs. Sur un truc, quelqu'un qui veut du jus de pomme là. Oh, le repos de moutarde. D'un coup, il y a un corps. Ouais, non, c'est vide. Ouais, je vais m'assurer de ça en fait. Je pense que c'est la buanderie. Le vieux lavoir là. Tu veux faire une slip? Ouais. Ah, c'est un qui veut laver son slip. C'est le moment d'en profiter. Oh, punaise, la belle chaudière. Il y a des cornichons, il y en a pour moi un an là. Ah oui, ah, là c'est du lourd là. C'est quoi ça, c'est un top cage? Il y a des pièces, oui. Top cage, ouais. Ah ouais, ouais c'est des piégeurs, hein, ça plutôt géré. Ils sont balèzes quand même. Il y aura des tâches. Il y a des pompes de partout. Oh putain, la vieille télé. La vieille télé, mais alors. Ça, les jeunes, je sais pas s'ils connaissent. Un Walkman. C'est l'ancêtre du lecteur MP3, ça. On mettait des cassettes dedans. Je suis en train de marcher sur un matelas, je m'enfonçais, je me demandais ce que c'était. Là, c'est, je pense que c'était une chambre d'enfant. Il y a des cahiers de devoirs là. Regarde, la thématique. C'est un agenda. Un agenda, petit œuf. Ouais, une chambre d'enfant ou d'ado. T'as vu les chaussures? Je dirais ado, regarde. Ouais, ouais, ouais. Dans un sale état, la chambre maintenant. Ouais, elle est HP, là. Dans l'humidité. C'est la fonderie.
Salle de bain. C'était le dressing, ça. C'était quoi là? Le WC. Elle est vraiment sale état la baraque maintenant. Là, c'était une chambre. Une petite mezzanine. Ouais, j'avais une chambre d'enfant aussi. Encore des feutres, des crayons de couleur. Petite commode en tissu. Avec la petite salle de bain qui va avec. Enfin, ce qui reste de la salle de bain, bien sûr. Il y a encore un cartable là, tiens. C'est le salon aussi, non? Ouais. Tu veux faire du gaming? Ah oui, clavier. Le bon vieux clavier rétro. Ah tu vois, il y avait des gamins, tu vois. Plein de jouets par terre. Il y a l'écran aussi, tu vois, le PC. Ah ouais, c'est... Ouais, ah ouais, mais PC, c'est... en fait, c'est, je crois que c'est le PC, c'est complet. Les gros PC, là. Ouais. Les premiers tout en un. Une télé là. Un petit reste d'une ancienne télé. C'est dommage hein, d'avoir dans cet état là. On est loin des écrans plats là avec ça. Hein. La face avant. Ah oui, c'est vrai. La gaffe avec mon faisceau lumineux là. Ah punaise. Regardez. Ils l'ont balancé par la fenêtre. J'ai entendu du bruit, mais là, vu l'endroit, je pense que ça doit des animaux. J'espère. Ah l'eau est carrément jolie en surface. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est sur le côté. Non, c'est la clôture, c'est ça. Ce qui reste de la clôture. Non, c'est là, c'est le niveau de la clôture. Ouais. Faites attention, il y a pas mal de trous là sur le terrain. Ouais. Ça se prend pas un piège à loup. Ça serait dommage.